Shalom tous ceux qui se sont réveillés ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et comme vous le savez, nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui on s'appuie sur 2 Corinthiens 5 verset 7. C'est une parole courte qui dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la foi, on n'a pas besoin de voir, tu n'as pas besoin d'entendre qu'il cite ton nom. Tu n'as pas besoin de sentir la manifestation sur toi pour comprendre que tu es guéri. Il y a ceux qui croient qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas senti la manifestation ou parce que je n'ai pas cité leur maladie. Mais si tu as la foi, tu sais que Jésus a entendu parce que c'est lui qui guérit. Je le répète toujours, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Mon travail, c'est de prier et ensemble, on aura la foi et Jésus va intervenir. Tous ces gens qui ont été guéris, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Et si tu as la foi, tu verras la gloire du Seigneur et la foi. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les douleurs que tu as, et la foi parce qu'il y a beaucoup qui vont être guéris. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant. C'est pour ça que souvent, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, où il n'y a pas de distraction, et il faudra mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi, parce que Jésus va intervenir. Il y a beaucoup qui seront délivrés. Et l'important, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais l'important est que tu aies la foi et que tu ne marches pas par la vue, mais que tu marches par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Alpha et Omega, je suis Dieu éternel, je viens dans ta présence parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, merci pour ta présence, Shama, tu es éternel, tu es partout en même temps, merci, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons parce que nous croyons en ta puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une famille tout entière qui est délivrée. Au nom de Jésus, c'est une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, toute la famille, que cet esprit fuit cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui rêve chaque nuit. Il y a deux personnes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents partout, plusieurs fois. Que cet esprit de serpent quitte votre esprit au nom de Jésus. Quitte votre corps au nom de Jésus. Soyez délivrés. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es tombé par terre. Tu te roules par terre. Je parle, je donne à ces esprits de te lâcher. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés. Alléluia. Il y a une autre personne qui est par terre, qui est tombée par terre, qui est en train de vomir. Soyez libérés. Ces esprits, vous m'entendez? Sortez. Je vous ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu es Alpha et Omega. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, de rôter tout le temps depuis que j'ai commencé à prier. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci de te manifester. Il y a un enfant qui est en train de crier. Un bébé qui crie depuis que j'ai commencé de prier. Parce qu'il y a un esprit qui cherche sa vie. Un esprit de la mort. Lâchez. Je t'ordonne de lâcher ce bébé au nom puissant de Jésus. Ce bébé doit vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces femmes qui sont adoptées, pour un enfant qui sont délivrés. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était le courant électrique. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui te libère au nom de Jésus. Tu vas être transformé. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur renouvelle tes pensées, le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, les pensées démoniaques, que ces pensées fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour le renouvellement. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a une visitation spéciale. Il y a une maman qui est couchée par terre. Tu es en train de pleurer maintenant. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever toi-même. Tu ne pouvais pas te courber, mais aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas marcher. C'est fini. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette douleur du dos de quitter ton corps. Sois libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui prend l'oreille gauche avec sa main droite. Le Seigneur te guérit.
guérie. Cette oreille est guérie. Au nom de Jésus. Toi qui s'ouvres au niveau des dents, il y a une dent qui te fait mal. Toute la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir. Il y a un homme qui a un problème de rein. Garde ta main parce que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour son grand frère qui est hospitalisé, qui a un problème d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, ton frère est guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens. Il y a un enfant qui a un problème d'audition. Tu ne peux pas entendre. Un enfant qui ne peut pas entendre. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Sois guéri. Une maman qui a deux garçons, deux fils qui souffrent de l'autisme. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Ça fait plus d'une année que tu marches sur une béquille. Tu as toujours pris dans l'émission. Aujourd'hui, je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont libérées. Il y a une maman qui est libérée. Il y a une maman qui souffre de la constipation pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es libéré. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres des hémorroïdes, au nom de Jésus, un homme âgé qui souffre des hémorroïdes, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son bébé, qui a un problème de diarrhée, vomissement. Ton bébé est guéri. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la tête parce que tu as des migraines. Une jeune fille qui souffre des migraines. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre parce que tu as un problème de foie. Ton foie souffre. Garde la main sur ton ventre parce que le Seigneur te libère. Tu as un problème de cirrhose. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément pendant la période des menstruations. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Une d'elles va même à l'hôpital. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses règles. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un couple, un homme et une femme. C'est un couple marié. Vous êtes en train de prier. Chaque fois que vous voulez avoir des relations intimes, l'homme fuit comme si c'était de feu. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit qui sépare l'homme et sa femme. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Quitte cette famille, quitte son couple. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Baille de Jésus. Il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a fait de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture. Partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs
au niveau de l'oreille. Reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a deux femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleur au niveau des seins. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu aies le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, trois personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les trois, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a trois personnes. Alléluia. Vous êtes guéri. Il n'y aura plus de cancer. On avait trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur a dit de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. En problème de sang, le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la maladie tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, sida, que son virus sorte de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre à travers la prière. Au nom de Jésus, il y a une maman qui se roule par terre. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps du temple de Dieu. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. J'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a tout vomi. Depuis les témoignages, tu avais la nausée. Maintenant, tu as tout vomi. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a mis sa main sur le ventre. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a une visitation. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, aujourd'hui, tu es visité. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es au 8e mois. Au nom de Jésus. Ça fait 3 mois que tu restes sur le lit, que tu ne peux même pas bouger. Je prie pour que cet enfant naisse. Au nom de Jésus. Il y a des menaces, mais cet enfant va naître et cet enfant va grandir. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans sans pouvoir concevoir. Au nom de Jésus. Tu vas bientôt concevoir. Tu vas concevoir cette année. Au nom puissant de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait 10 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 22 ans. Tu as un seul enfant qui a 22 ans. Tu as tout fait pour avoir un autre enfant. Ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux au nom de Jésus. Il y a un des enfants, un des jumeaux qui a un problème de malformation. Je prie que cet enfant naisse en bon état au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier. Une a déjà conçu 3 fois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt par fausse couche. Une autre a déjà conçu 5 fois. Et toutes les 5 fois, l'embryon n'a pas dépassé 2 mois. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que les 2 femmes vont bientôt concevoir et les enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Aujourd'hui, tu es visité. Tu es délivré. Tu sens le feu qui traverse ton corps. Tu es délivré. Tu vas commencer à travailler. Dieu va te donner un travail. Tu vas être sauvé. Tu vas te repentir. Parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son royaume. Et tes enfants vont vivre par la main de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as un problème de sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur pour la visitation de cette femme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de la dent. Tu n'as pas pu dormir toute la nuit, mais aujourd'hui tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de l'utérus. Tu saignes chaque fois que tu fais des rapports avec ton mari. Tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse.
puisse et que tu sois complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités, il y a beaucoup qui sont guéris, même si je ne cite pas la maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi. Commence à remercier le Seigneur, toi qui portes le virus de VIH, le sida, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Vous portez le virus VIH, parmi les 4, il y a une jeune fille qui est née avec le sida. Au nom de Jésus, tu es visité, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est la guérison. Proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un garçon, un petit garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, que la maman commence à louer le Seigneur pour cet enfant qui est délivré. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie, allergie de la peau. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui sont guéris, qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie distale, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Mets ta main sur la jambe et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une vieille maman qui a un problème de diabète. Une vieille maman qui souffre de diabète et 2 hommes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, un des hommes qui prend de l'insuline chaque fois avant de manger. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'estomac. Et toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui est en train de bailler, bailler, bailler. Tu bailles depuis le commencement de la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite C, soyez guéris. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une famille tout entière qui est liée par la sorcellerie. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Toi qui es sur les béquilles, lâche les béquilles et marche. Au nom de Jésus, il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit. Que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur. Que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme. Au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré. Au nom de Jésus, tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libéré. Une des 2 personnes a mangé du poisson. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, une fille qui a prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visité. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un 2e enfant. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de hypertension.
bénédiction. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur le testicule. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé. Et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de synésite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Deux personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. Deux personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais aujourd'hui, vous êtes guéri. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as l'attente, si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une famille tout entière qui est délivrée. Au nom de Jésus, c'est une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, toute la famille, que cet esprit fuit cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui rêve chaque nuit. Il y a deux personnes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents partout. Plusieurs fois, que cet esprit de serpent quitte votre esprit. Au nom de Jésus, quitte votre corps. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es tombé par terre. Tu te roules par terre. Je parle, je donne à ces esprits de te lâcher. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, vous êtes délivrés. Alléluia. Il y a une autre personne qui est par terre, qui est tombée par terre, qui est en train de vomir. Soyez libérés, ces esprits. Vous m'entendez? Sortez. Je vous ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu es Alpha et Omega. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, de rôter tout le temps. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci de te manifester. Il y a un enfant qui est en train de crier. Un bébé qui crie. Depuis que j'ai commencé de prier. Parce qu'il y a un esprit qui cherche sa vie. Un esprit de la mort. Lâchez. Je t'ordonne de lâcher ce bébé. Au nom puissant de Jésus, ce bébé doit vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces femmes qui sont adoptées, pour un enfant qui sont délivrés. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont adoptés, visités d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était le courant électrique. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui te libère. Père, au nom de Jésus, tu vas être transformé. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur renouvelle tes pensées, le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, les pensées démoniaques, que ces pensées fuient ton corps. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour le renouvellement. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a une visitation spéciale. Il y a une maman qui est couchée par terre. Tu es en train de pleurer maintenant. Au nom de Jésus, à partir de jour. Tu vas te lever toi-même. Tu ne pouvais pas te courber. Mais aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas marcher. C'est fini. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette douleur du dos de quitter ton corps. Sois libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prend l'oreille gauche avec sa
main droite, le Seigneur te guérit. Cette oreille est guérie. Au nom de Jésus, toi qui s'ouvres au niveau des dents, il y a une dent qui te fait mal. Toute la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir. Il y a un homme qui a un problème de rein. Garde ta main parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui prie pour son grand frère qui est hospitalisé, qui a un problème d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, ton frère est guéri. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens, il y a un enfant qui a un problème d'audition. Tu ne peux pas entendre. Un enfant qui ne peut pas entendre. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Sois guéri. Une maman qui a deux garçons, deux fils qui souffrent de l'autisme. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Ça fait plus d'une année que tu marches sur une béquille. Tu as toujours pris dans l'émission. Aujourd'hui, je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont libérées. Il y a une maman qui est libérée. Il y a une maman qui souffre de la constipation pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es libéré. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres des hémorroïdes, au nom de Jésus, un homme âgé qui souffre des hémorroïdes, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son bébé qui a un problème de diarrhée, vomissement. Ton bébé est guéri au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la tête parce que tu as des migraines, une jeune fille qui souffre des migraines, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre parce que tu as un problème de foie. Ton foie souffre. Garde la main sur ton ventre parce que le Seigneur te libère. Tu as un problème de cirrhose. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément pendant la période des menstruations. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Une d'elles va même à l'hôpital. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses règles au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un couple, un homme et une femme. C'est un couple marié. Vous êtes en train de prier. Chaque fois que vous voulez avoir des relations intimes, l'homme fuit comme si c'était de feu. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit qui sépare l'homme et sa femme. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Quitte cette famille. Quitte son couple. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre, toute femme qui est enceinte. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants. Que chaque enfant naisse et fasse ta volonté. Au nom de Jésus, je sais que tu as de bons projets, des projets de bonheur et non de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance et pour tous les gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, ton corps est délivré. Ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus, il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui est en train de parler à travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter tous ces esprits. Que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux hommes qui sont délivrés de la cigarette. Vous avez essayé d'être libéré du tabac. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés, parce que votre corps est une maison sainte du Saint-Esprit. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci, merci. Il y a 2 femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, ça fait 8 ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 15 ans et toi qui viens de passer 18 ans sans enfant, soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visité. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant, mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande Seigneur que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah, tu peux donner un enfant à toute femme qui a besoin de prier. Au nom de Jésus, je te demande de tendre ta main et tendre ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris. Le virus va
VIH. Il y a deux personnes qui marchent avec le virus VIH SIDA. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête d'une femme qui a beaucoup de pellicules, excès de pellicules. Tu es guéri, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent comme on perce le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, que ce soit une femme ou un homme, sois libéré. Seigneur, étends ta main pour guérir les dons au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses. Chaque fois que tu as des menstruations, tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle. Garde la main sur la gorge. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est visité au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus, je prie pour ton corps que son problème de déshydratation cesse. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens pas d'odeur, tu es insensible. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour ces enfants, Seigneur. Si tu es un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Je suis qui te visite. Merci Seigneur. Étends ta main pour tous les enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leurs doigts, commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui es sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatite C. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait 2 semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es enroulé par terre. Il y a des esprits qui parlent. J'ordonne à ces esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a 2 filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus, bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. 2 filles qui prient pour le mariage et que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle, tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans, il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Je suis. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Je demande à toute femme qui prie pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, il n'a pas fait 3 mois, mais bientôt tu vas concevoir un 5e bébé et qui va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération, mais le Seigneur t'opère déjà et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes, on ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré au nom de Jésus.
Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée, qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie, garde ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries, qui portent le virus VIH, SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un pendant la prière, tu sens que la main bouge. La main est en train de bouger, mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons, il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes doigts sur les yeux, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants, et à la fois, le Seigneur vous a visité. Je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, mets tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie sur tous ces enfants au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es au septième mois au nom de Jésus. Tu as une menace. Il y a le bébé de sept mois dans ton ventre qui est menacé. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de fausse couche. Je le détruis complètement. Que cet enfant naisse au neuvième mois normalement au nom de Jésus. Que cet enfant naisse vivant. Esprit de la mort, éloigne-toi de son bébé au nom de Jésus. Si c'est toi qui as un enfant de 7 mois, garde les mains sur le ventre et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Cet enfant va naître. J'ai dit, cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Un homme qui est libéré, qui est délivré. Une femme qui est en train de prier pour son mari qui l'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Mais le Seigneur délivre ton mari et ton mari va retourner, va revenir à la maison au nom de Jésus. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux femmes qui consultent les marabouts. Vous écoutez l'émission maintenant, mais vous savez que vous consultez les marabouts. Le Seigneur donne que vous brisez ce contact. Effacez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le lien. Au nom de Jésus, allez brûler les cris-cris. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Le Seigneur veut vous libérer. Merci pour la délivrance de ces deux femmes. Au nom de Jésus, une de ces deux femmes sans des vertiges est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Tu te roules par terre. J'ordonne à ces esprits de te lâcher. Quittez son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Vous êtes visité. Au nom de Jésus. Toi viens de passer 13 ans. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Tu vas bientôt concevoir. Une fois tu as conçu. Tu as conçu, mais l'enfant n'a pas passé plus des mois dans ton ventre. Mais maintenant tu vas être encore enceinte et tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, au nom de Jésus, reçois le miracle. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus, et la foi. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité, le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Et la foi, au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont en train de prier, qui attendent un enfant, ayez la foi. Gardez les mains sur le ventre. Il y a des femmes qui sont en train d'être libérées au nom de Jésus. Toi qui avais deux fausses couches, maintenant tu vas concevoir après 19 ans de mariage. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Bientôt, vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser. Deux filles qui prient pour le mariage au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui sont libérés du tabac, de la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vomit qui était
près de la mort. Tu avais mangé du poison. Que ce poison soit anéanti complètement au nom de Jésus. Vous êtes trois. Au nom de Jésus, vous êtes en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Au nom de Jésus, que ça cesse. Ça va cesser. Tu as essayé des produits, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur cesse. Arrête ça et il va restaurer ta chevelure. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Confessez la guérison. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui souffrent de migraine. Au nom de Jésus, l'une des deux personnes souffre énormément. Tu ne supportais pas la lumière. Tu ne supportais pas le bruit. Au nom de Jésus, la main de Je suis est sur toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein. Coche, garde ta main sur le sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Parmi les trois, il y a une personne qui prend de l'insuline. Chaque fois avant de manger, tu prends de l'insuline. Mais au nom de Jésus, tu es guéri. Trois personnes qui souffrent du diabète. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre de l'asthme. Et la fois que tu es guéri, c'est la maman qui prie avec l'enfant. Ton enfant est guéri. C'est un garçon. Il est guéri de l'asthme. Un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête. Ça va sécher et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. S'il y a un problème de glande thyroïde, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a deux femmes qui ont une absence de règles. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus vos menstruations. Mais le Seigneur rétablit tout au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit rissé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique. Tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de Je suis sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes, deux hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses deux mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis tes deux mains sur les deux genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui crient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéri. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations au nom de Jésus. Aujourd'hui même, avant
avant la journée de demain. Tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les deux oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les deux oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour avoir libéré cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a deux filles qui sont libérées de la dépression, d'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie, qui est épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont visités d'une façon spéciale au nom de Jésus. Il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance, il y a une puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Ces démons qui sont dans ces corps, je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes, mais tu as des gris-gris dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre énormément sur l'avant-bras gauche. Garde ta main sur son bras parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es à la droite du Père, au-dessus de l'hypertension. L'hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genou fléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvrez la bouche. Ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 16 ans, le Seigneur te guérit, te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je prie pour cette personne qui souffre de synésite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffre de l'hépatite, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Et le Seigneur guérit deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui sont dans les manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants. Les liens ancestraux. Toi qui ne peux pas dormir la nuit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui pleure. Tu pries pour ton enfant, mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus. Que la main de Je suis soit sur tous les enfants. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Et un autre enfant qui ne fait que crier la nuit. Et crie toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de cœur, tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de crises cardiaques. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a trois personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Alléluia. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, au nom de Jésus, tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, une fille qui attend le mariage. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le
chemin pour toi. Bientôt, tu vas trouver la personne qui va être ton mari, cette année même, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia, toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu, ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas, ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a deux hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Deux femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, qui souffre de l'asthme, c'est héréditaire. Que son lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a deux personnes qui souffrent d'hépatite C. Si c'est toi qui souffres d'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Jésus. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a deux hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance.
souffrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes lié par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui, vous êtes libéré. Plus de tabac dans le corps, parce que vos corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette. Au nom de Jésus, vous étiez lié, mais aujourd'hui, vous êtes libéré. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poisson. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons pour le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. N'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt, tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple venu de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus, que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale, tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au sel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de migraine, aie la foi. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie, Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visité. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Ayez la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution. L'esprit de prostitution, tu es délivré. Tu sens même la chaleur, tu viens de transpirer. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de rouler par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de je suis. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sortez de ces corps. Sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de quitter. Cessez de parler à travers son corps. Sortez, sortez. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester parce que ce sont des enfants de Dieu. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, il y a 3
personnes qui sont en train de vomir maintenant. Mais parmi ces trois, il y a une personne qui vomit et tu vois le sang. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de la sorcellerie qui est en train d'être brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Cet esprit de stérilité, qui sait? Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans au nom de Jésus et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de cœur. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant, que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le cœur de son bébé. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu es en train de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée, plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, je brise toute opposition. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te visite. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, trois personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les trois, il y a une femme qui a un problème de cancer de col de l'utérus. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Il y a une personne qui a une toux sèche. Ça fait longtemps, des mois. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour les deux personnes qui sont guéries de migraines. Toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête. Il y a quatre personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi d'avoir la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui es en train de te gratter. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité. Tu as envie de bouger. Tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite. C'est la visitation. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui a plein d'allergies sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui a de l'infection intestinale. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Toi qui as un problème au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres du diabète, le Seigneur te guérit. Toi qui as de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de manque d'odorat, le Seigneur t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui se gratte tout le temps à tel point qu'elle est même blessée à cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Un homme qui est guéri de la WC. Tu as la WC, tu as le stroke. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres, pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, aie la foi parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Et merci infiniment pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.